Salut à tous, comment ça va? Moi ça va très très bien, bienvenue dans ce nouvel enregistrement de La Boîte Noire et aujourd'hui je vais vous expliquer comment fidéliser vos clients vous rendra millionnaire et vous fera adorer votre business et vos clients. Donc quand on adore son business, qu'on adore ses clients, hein, que c'est pas quand ses clients c'est pas une tare et c'est pas quelque chose que l'on supporte, à ce moment là on vit dans le meilleur des mondes. On vit dans le meilleur des mondes et on fait beaucoup d'argent et à ce moment-là, on peut devenir millionnaire. D'après moi, c'est la seule condition parce que si vous n'aimez pas, si votre business, vous ne l'aimez pas, si votre business vous saoule et que vos clients vous débectent, c'est pas comme ça qu'on devient millionnaire. Ça va être très compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir tenir sur le long terme. Donc le problème, c'est quoi? Le problème, les plus gros problèmes que vous avez, c'est que vous essayez de faire du one-shot marketing, comme je dis toujours. On appelle ça comme ça, c'est-à-dire que vous essayez de taper des nouveaux clients tous les jours. Et quand je dis taper, ça correspond bien à ce que vous essayez de faire. C'est-à-dire que vous essayez de vraiment de dire « Ok, bam, un nouveau client » et après vous les jetez. Voilà, un petit peu comme un playboy qui enchaînerait les conquêtes. Mais ça, c'est très bon, c'est très mauvais parce qu'au bout d'un moment, vous allez griller votre réputation. Je vais vous expliquer comment s'y prendre un petit peu plus tard. Mais globalement, le one-shot marketing, il faut oublier, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir un client, d'essayer de lui prendre le maximum de pognon sur une vente et derrière, bon, en même temps, je suis désolé, mais c'est quelque chose que j'explique depuis des années maintenant. Mais maintenant, ce qui est drôle, et je vous l'avais dit, il va y avoir une purge et ça s'est passé comme prévu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gars qui arrive en one shot, vous savez, avec sa gueule enfarinée, déjà, il peut même pas accéder à ses comptes Stripe, ses comptes PayPal, etc. parce que c'est un guignol. Donc du coup, le tri s'est fait comme avec un tamis quand on cherche de l'or. Il reste plus que l'or sur le tamis et le reste, ça passe à la trappe. Voilà, tout simplement, c'est ce que l'univers a fait avec le business en ligne, tout simplement. Maintenant, le one shot, le gros problème, c'est quoi? C'est que de taper un client à chaque fois, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Voilà, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Votre souci, ça doit être de les fidéliser, ces clients, d'avoir beaucoup moins d'efforts d'acquisition et du coup de coûts d'acquisition pour les prochaines ventes. C'est-à-dire qu'on va essayer de revendre au maximum à nos clients. Je vais vous expliquer un petit peu comment vous y prendre un petit peu plus tard dans l'enregistrement. Donc il y a un autre problème, c'est que vous devez tout reconstruire en permanence. Et ça, c'est-à-dire qu'on doit tout reconstruire à chaque fois. À chaque fois, on doit remettre un effort à séduire le client. À chaque fois, on doit refaire un système. Il y a même des personnes qui font des boutiques éphémères. Donc à chaque fois, tu dois reconstruire la boutique, retrouver une audience, refidéliser les gens sur les réseaux sociaux. En fait, ils ne se rendent même pas compte à quel point, en voulant aller vite, parce que ce qui est proposé, c'est de dire « Ok, bah, tu vas faire un truc en tunnel de vente, ça prend 2 secondes. En une après-midi, tu es lancé. En une après-midi, tu es là, bah, tu peux commencer à faire tes ventes, etc. » C'est clair que comparé à quelqu'un qui essaie de construire un business sur le long terme, ça va un petit peu plus vite. Et donc du coup, bah, ils répondent au chant des sirènes, mais ces gens-là, ils vont le payer. Parce que dès que la tendance va passer, ils vont devoir reconstruire un business et reconstruire un business et reconstruire un business sans cesse. Donc honnêtement, moi, c'est pas la vie que je veux mener. Je ne dis pas que je suis un grand fanatique de l'automatisation extrême. J'aime beaucoup l'automatisation parce qu'elle me permet justement de prendre que les bons côtés de mon business et le fait de faire déléguer certaines tâches également. Mais l'automatisation à l'extrême, moi, je n'ai pas envie de rien faire. Ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà fait, j'ai déjà expérimenté d'avoir des journées où je ne fais rien, je ne branle rien, je n'ai pas besoin de rien. J'ai besoin de rien faire pour rentrer de l'argent. Je rentre de l'argent de manière automatique et des grosses sommes. Ça, je l'ai déjà fait et honnêtement, ça peut vous faire tomber en dépression. Même si ça n'en a pas l'air, mais ça peut vraiment vous foutre en dépression. Moi, ça m'a foutu le mort, ça m'a jamais intéressé de vivre comme ça et j'ai compris, si vous voulez, à un moment donné, je suis allé vers l'équilibre. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, j'ai envie de mettre les doigts dans le business, mais je veux faire uniquement ce qui m'intéresse, uniquement ce qui me plaît. Voilà, et c'est ce que je vous propose de faire. Donc le problème, c'est ça, c'est que vous devez reconstruire à chaque fois. À chaque fois, on doit reprendre un template, on doit redécouvrir le client. C'est un petit peu comme les gens qui enchaînent les conquêtes ou les filles ou les mecs, c'est fatigant. Je veux dire, avant de prendre du plaisir et de kiffer la relation, tu dois d'abord réapprendre à connaître les gens. Tu dois regarder si la nana, c'est pas une grosse sale, si c'est pas une grosse crasseuse. Parce que ça, tu commences à le savoir quand tu vis avec elle. Vous, c'est pareil pour les filles. Vous devez regarder si le gars, bah, il se brosse bien les dents, s'il pue pas du cul le soir, excusez-moi du terme, hein, mais voilà. S'il vous met pas des tartes dans la gueule au bout d'une semaine ou deux, ça, vous devez à chaque fois essayer de le revérifier. Et quand vous avez des nouvelles conquêtes à chaque fois, il y a toujours ce chant des sirènes, le son des sirènes. Hein, c'était un lapsus révélateur.
Les sirènes, il faut les tuer, il faut pas les écouter. Hein. Comme dans tous les contes, on vous dit, dès que vous écoutez les sirènes, vous êtes mort. Non, il faut leur tirer dessus direct. Dès que tu vois une queue de sirène qui sort de l'eau, bam, bam, t'allumes, quoi, tu vois. Et si c'est un dauphin, bah tant pis. Non, je plaisante. Donc voilà, ne répondez pas au chant des sirènes. Dès que vous répondez au chant des sirènes, derrière, vous avez la sanction. Et c'est toujours pareil, voilà, on y répond, mais du coup, c'est agréable quelques temps. Les nouvelles rencontres, etc., c'est agréable, mais il y en a qui font des nouvelles rencontres en boucle jusqu'à ce qu'ils arrivent à 50 ans. Et vous savez, c'est les gars ou les nanas bizarres, vous savez, un peu névrosés, qui se sentent seuls, etc. Ah oui, ils ont un trophée, ils ont un palmarès énorme. Moi, j'ai un profil de mec à nana, comme on dit. Il y en a beaucoup qui croient que j'enchaîne les conquêtes, etc. Enfin, je suis pas non plus le The Playboy, machin, mais c'est vrai que j'ai un attrait pour la gente féminine, et je m'en cache pas. C'est vrai, enfin, pour moi, c'est ce qui a été créé de plus joli, la femme, dans tous ses aspects, bien entendu, que ce soit physique ou émotionnel, etc. Donc voilà, mais en fait, c'est tout l'inverse, je suis pas du tout comme ça. Et j'ai toujours, et depuis que je suis tout jeune, ça m'a jamais intéressé d'enchaîner les conquêtes, entre guillemets. Bon, j'ai pas eu qu'une seule nana, hein, mais bon, ça m'a jamais intéressé. J'ai toujours voulu stabiliser et avoir une relation long terme. C'est ce qui m'a toujours branché, parce que, en fait, tu peux partager des choses et la relation, elle est de plus en plus puissante. Voilà, c'est ce qui m'a plu. Donc, devoir tout reconstruire en permanence, ben en fait, premièrement, c'est désagréable, et deuxièmement, ça fait que tu ne prends jamais en force, tu ne prends jamais en inertie. Ça, c'est les lois de la physique, et les lois de la physique sont tout à fait applicables au business, d'accord ? C'est un mécanisme où, sans prendre d'inertie, ben, en fait, tu es obligé de remettre une poussée. C'est comme si à chaque fois, tu faisais 10 mètres dans une pente en vélo et que je t'arrêtais tous les 10 mètres. Si je t'arrête tous les 10 mètres, au bout d'un moment, tu vas me dire, je vais pas réussir à tenir jusqu'à la fin. Et ben, en business, c'est pareil. Et souvent, les gens qui enchaînent comme ça les business, ben, ils finissent par abandonner. Ils ne peuvent pas tenir sur le long terme. Autre problème, c'est votre irréputation. La irréputation, vous le savez, ça va très très vite. Et quand on essaie de faire du business court terme, qu'on n'essaie pas de fidéliser ses clients, qu'on essaie de faire du one shot, qu'on essaie de taper client par client et redécouvrir des nouveaux clients, on ne peut pas faire ça sans fin. C'est pas comme à l'époque des westerns où les gars ils passaient en caravane et ils vendaient des faux médicaments et ils changeaient de ville et on les revoyait plus, tu vois. La irréputation, t'as un magnète, t'es traqué jusqu'à la fin de tes jours. Et tu peux changer de pseudo toute la journée, tu peux mettre un faux nom, un machin. Au bout d'un moment, tu verras que tu vas... Et de toute manière, même les gens qui changent de boutique, même si c'est des boutiques anonymes, aujourd'hui, vous devez avoir un compte Stripe, un compte PayPal. Donc au final, ils ont tapé là où ça fait mal. C'est que vous ne pouvez pas encaisser l'argent si vous ne donnez pas votre pièce d'identité, etc. Donc à un moment donné, vous êtes traqué. Et vous finissez par être traqué tout simplement. Et à la fin, vous êtes mort si vous comptez arnaquer les gens. Donc la irréputation, sachez une chose. Si vous débuter notamment, ou pour les gens qui sont à un niveau avancé mais qui se demandent s'ils doivent faire comme les autres, essayer de taper fort quitte à ce que le client soit pas entièrement satisfait, la irréputation, donc la réputation en ligne, c'est très très dur, très très dur, extrêmement dur à construire, mais c'est d'une facilité déconcertante de se griller. On le voit, il y a eu plein de marketeurs qui sont passés et qui ont essayé de faire les fanfarons. Ouais, ben, ils vont se vanter d'avoir pris 1 million d'euros rapidement. Ouais, le million d'euros, il est très facile à faire en ligne, hein. Démystifier ça, je suis désolé. Si vous êtes dans l'ancien monde, bah, automatiquement, peut-être que ça vous fait saliver, mais c'est la base, quoi. Vraiment, quand tu as un business en ligne depuis 5 ans, si tu n'as pas tapé le million, c'est que vraiment, tu dois revoir tes méthodes. Parce que ça va tellement vite. Aujourd'hui, la réputation en ligne... Alors si tu fais du personal branding, je t'en parle même pas, mais il y a un gain aussi, parce qu'il y en a qui disent ouais, moi je monte pas ma tête, au moins je suis pas grillé. Mais quand vous montrez votre tête, ça donne plus confiance, donc vous cassez plus la baraque. C'est ça le truc. Quand vous montrez votre tête ou que vous faites écouter votre voix, que vous donnez votre identité, derrière vous déclenchez plus de ventes aussi. Donc en fait, les gens qui sont en anonyme, vous pouvez le faire, mais sauf que vous exposez votre branding. Et comme je vous l'ai dit, à un moment donné, si votre marque commence à pousser à faire du chiffre d'affaires, il va falloir montrer à vos clients quelle est votre société, et à partir de là, vous êtes traqué quoi qu'il arrive. En fait, il n'y a que les petits bricolos qui peuvent éviter ça. Il n'y a que les petits bidouilleurs qui alternent entre la boîte d'intérim et, j'allais dire, la maison d'intérim, je ne sais plus comment ça s'appelle, la boîte d'intérim et un peu des bidouilles sur le net, des petites magouilles à la con. Il n'y a que eux qui peuvent comme ça, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner 300 euros par-ci, 300 euros par-là. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre de notre business en ligne, et à partir de là, il faudra montrer patte blanche. Aujourd'hui, le système est tel qu'il va falloir montrer patte blanche quoi qu'il arrive.
Moi, je me suis pas emmerdé. J'ai de suite mis mon état civil, Benjamin Gassi. Vous pouvez taper, c'est ce qu'il y a écrit sur ma carte d'identité, etc. Donc, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, mais du coup, mes proches, ils hésitaient. Moi, déjà, de toute façon, j'assume tout ce que je fais, donc j'ai aucune hésitation par rapport à ça. Il y en a qui me disent, ouais, mais du coup, t'as peur de quoi ? J'ai peur de rien. Je marche droit dans mes bottes et il y a personne qui va m'impressionner, qui a deux bras, deux jambes. Nous aussi, on a des avocats. Nous aussi, on sait faire. C'est pas parce que j'apparais relax, mais voilà, les attaques, si je suis droit dans mes bottes, on a de quoi y répondre. Et c'est la vie, c'est comme ça. Moi, je veux pas être caché et qu'on puisse pas m'attaquer ou qu'on puisse pas se battre avec moi. Il n'y a pas de problème, tu veux te battre, mais derrière, il peut y avoir sanction. Moi, je suis droit dans mes bottes, on y va, let's go. Sur tous les terrains, on y va. Et j'ai pas peur. Voilà, tu peux même retrouver mon adresse, machin. Ça sert à quoi? Je peux même la donner, mon adresse. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu veux venir chez moi, tu veux venir me voir parce qu'il y a un problème, c'est moi-même qui peux venir. Voilà, et je vais m'expliquer, on va faire de la diplomatie, etc. Maintenant, tout ce qui est haters, etc. Donc, je suis désolé, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont un petit peu dans mon cas. Mais la violence, je sais ce que c'est. Et s'il faut qu'il y ait de la violence, il y aura de la violence, il n'y a pas de problème. Maintenant, le côté administratif et procédurier, il n'y a pas de problème. J'ai une armée d'avocats, il n'y a aucun problème. Okay, donc, c'est pourquoi, et c'est comme ça que vous devez raisonner. J'essaie pas de jouer les gros bras, je dis simplement qu'il faut assumer, faut monter sur le ring. Quand tu montes sur le ring, tu peux prendre des coups. C'est comme ça que ça doit se passer, on doit revenir aux choses naturelles. Quand tu montes une boulangerie dans le village, tu peux pas escroquer les villageois parce que ça va vite se savoir. Et dans les 3 jours, tu vas avoir des gars avec des fourches qui t'attendent devant la boulangerie. D'accord ? Ben moi, je veux vivre comme ça. Je veux que si y a un problème, je veux qu'on m'attende avec des fourches. Voilà, parce que du coup, je suis obligé de respecter mon code d'honneur, mon code de conduite. Tout simplement, je vous conseille de faire la même chose. Maintenant, on va te parler de par rapport à la fidélisation des clients. Déjà, ça sera énormément plus rentable si tu savais à quel point ça sera plus rentable. Et si tu savais à quel point, si on parle uniquement de revenus, tu vas gagner beaucoup plus d'argent en fidélisant tes clients. Voilà, c'est la base, je l'ai dit depuis le départ. Je l'ai dit depuis le départ, s'il vous plaît, reconnaissez-le. Depuis les monoproduits, etc., je dis, mais vous fidélisez pas vos clients, vous êtes des dindes. Ça veut dire que les monoproduits, vous vendez une fois à un client et derrière, ce client, vous le foutez à la poubelle. Vous êtes des gros dindons. Voilà, je l'ai toujours dit, je me suis toujours moqué de ceux qui faisaient ça parce que pour moi, c'est des amateurs total en business. Ce sont des bras cassés. Tu vois, c'est le braqueur qui arrive, qui fait tomber le pistolet, qui court, qui tombe, qui trébuche. Voilà ce qu'ils sont, tu vois. Et ce qu'ils sont, ils ont des chefs. Et leur chef, c'est les marketeurs à la con, là, mais c'est leur chef. C'est le chef des bras cassés. Il y a plein de chefs de bras cassés, voilà. Mais nous qui sommes dans le business, on se fait pas d'illusions. Enfin, un client, ça se fidélise. Tu vas pas ouvrir un restaurant et ne pas essayer de fidéliser ton client. Tu vas pas ouvrir un magasin de vêtements et ne pas essayer de fidéliser ton client. C'est juste du grand n'importe quoi. Maintenant, comme je t'ai dit, on va te proposer, il y en a qui vont dire « Ah ben tu fais des codes promo à tout va, etc. » Ça, pour moi, c'est de la fidélisation façon Carrefour, bon d'achat, etc. Tout ça, c'est passé de mode. C'est-à-dire que c'est très inhumain. Tiens, bon d'achat, envoyé, c'est très inhumain. Moi, quand je te parle de fidélisation, je vais t'expliquer tout au long de cet enregistrement quelles sont les solutions, et ce sont des solutions qui marchent du feu de Dieu, surtout à notre époque. Je pense que ça sera valable dans les 5-10 prochaines années, donc tu perdras pas ton temps à t'y intéresser. C'est un vrai moyen de survie pour traverser les époques, pour lisser ses revenus, pour stabiliser ses business en ligne. Donc en gros, la solution, ce serait quoi ? La solution, voilà, excusez-moi, c'est qu'on vous propose beaucoup de, vous savez, de bons d'achat, de trucs, t'envoies un bon d'achat, machin. C'est pas ça la fidélisation, ça c'est la fidélisation comme vous voyez à Carrefour, comme vous voyez les jeux concours, les trucs, tout ça c'est de la merde. C'est pas comme ça, il faut donner une âme, il faut créer du lien avec vos clients. Je vais vous expliquer comment faire un petit peu plus tard dans cet enregistrement. Donc, ce qu'il vous faut, ok, c'est pas des petites méthodes à la mort-moelle-neuve, des petites méthodes à la con, des petites bidouilles, encore une fois, on fait de la bidouille. Quand t'es Carrefour, heureusement que tu peux pas créer autant de liens, mais nous qui sommes des petits commerçants qui dépassons pas les 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, qui avons pas plus de 100 salariés, on a des méthodes, on a la possibilité de faire des choses pour marcher qui sont beaucoup plus, pour marger pardon, qui sont beaucoup plus impactants que ce que va faire un Carrefour, que ce que va faire un... Ils ont pas les moyens de le faire, ils sont trop gros, ils peuvent pas travailler à notre échelle. Et nous, notre échelle, faut qu'on s'en serve parce que j'en vois certains qui essaient d'employer les méthodes des gros pour rivaliser avec eux mais qui ont une petite structure. Mais en fait, vous utilisez pas vos forces, en fait. Vous utilisez uniquement vos faiblesses par rapport à ces gens-là. Ouais, vous voyez, ça paraît bizarre, mais c'est ce que vous faites pour la plupart d'entre vous. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes 90% à faire ça. Avant que je vous l'ai expliqué, je pense que vous êtes 99% à faire ce genre de choses. C'est-à-dire que ça part d'une bonne volonté, vous voulez fidéliser, mais vous essayez d'employer les méthodes de Carrefour
Et eux, par contre, ils essaient pas d'employer vos méthodes parce qu'ils ne peuvent pas. Mais vous, c'est pareil, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la structure pour employer les méthodes de Carrefour. Carrefour, quand ils envoient des trucs à la con, des bons d'achat à toute leur audience, ils envoient ça à des millions de personnes. Je sais pas si vous imaginez le fichier client de Carrefour. Donc vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là, il faut arrêter de jouer sur ce jeu-là. De toute façon, eux, ils ont des marges très petites. Vous avez de grosses marges, donc il faut travailler avec des clients d'une manière différente, d'une manière complètement différente. Le pire, vous savez ce que c'est ? C'est qu'il y a des méthodes. Il y a des méthodes faciles à appliquer, mais que la plupart ne connaissent pas parce qu'ils sont baignés dans, vous savez, les chefs des marketeurs, des chefs de bande de bras cassés, des formateurs, influenceurs, rappeurs, rockers, machin, enfin des gars qui font tout sauf vous expliquer les bonnes lignes de conduite en business. Ce qu'il vous faut, c'est des clients qui sont comme une petite famille, comme un groupe d'amis. Une petite famille, un groupe d'amis, ça peut être 100 000 personnes. Okay, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce que vous... Je vais vous expliquer un petit peu par la suite comment vous devez le faire. Mais vous devez absolument vouloir obtenir de la proximité avec vos clients. Comme je vous l'ai dit, si vous ne dépassez pas les 5 millions d'euros chiffre d'affaires par an, vous avez les moyens de le faire, il y a beaucoup de leviers pour automatiser. Et ça, vous allez devoir automatiser un minimum votre business. Vous ne pouvez pas le faire à la main. Si vous avez 10, 100 000 personnes, 50 000 personnes dans votre audience, vous ne pouvez pas le faire. Mais le but du jeu, c'est d'obtenir ça, c'est d'obtenir une genre de famille, un groupe d'amis. Okay, quand on dit groupe d'amis, comme je le répète dans certains enregistrements, groupe d'amis, je ne me fais pas d'illusions. Hein. Comme je dis toujours, c'est dans le monde des pauvres qu'on n'a pas le droit d'être amis et faire du business en même temps et vendre des trucs à des... Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, je peux avoir des amis et derrière, on peut faire des deals, des partenariats, il n'y a aucun problème. C'est chez les pauvres, c'est chez les... Et j'en viens des pauvres, hein. Je viens de ce qu'on appelle... la classe moyenne ou la classe ouvrière ou j'en sais rien, enfin un peu moins que la classe moyenne, voilà, c'est simplement un constat. Je suis là pour constater, pour vous aider à passer un niveau dessus. Donc à un moment donné, pour passer un niveau dessus, il faut savoir où on en est. Et bien là, on en est là. C'est un truc de pauvre de penser que tu ne peux pas faire du business entre amis. Il faut que tu crées de la proximité. Je vais t'expliquer un truc. Imagine simplement un business où tu dois forcer personne pour vendre, où tes clients réclament tes produits. Voilà, tout simplement, c'est toujours pareil, on en revient à la même chose. Le but du jeu, c'est d'arriver à obtenir un business, imagine-toi, où tu n'as pas besoin de forcer. C'est comme un groupe d'amis, et c'est ce qui, vous savez quoi ? C'est ce qui a fonctionné super bien, je vous prends cet exemple-là, avec les réunions Tupperware. C'était quoi la force des réunions Tupperware ? La force des réunions Tupperware, c'est que tu vends aux copines, c'est que tu vends aux mamans de l'école. C'est ça le truc, c'est que tu te retrouves chez les personnes, tu les fais venir chez toi, ben chez toi ça tombe bien, ils sont déjà venus boire des cafés, ils ont déjà fait une bouffe chez toi. On est dans un contexte où, si vous voulez, aujourd'hui le client a la garde bien levée, le client a un bouclier épais de 2 mètres, quand tu lui parles d'acheter quelque chose et que tu lui vends ça à l'ancienne, en mode Jean-Claude Convenant de Caméra Café, en mode petit prospecteur en chemise qui sent la naphtaline achetée chez Gémeaux, en chaussures, voilà. Enfin, tu le sens venir, le gars à moitié bien rasé, tu sens que le gars a dormi 2 heures dans sa bagnole parce qu'il fait le tour de la France, tu sens qu'il a le dos pété par la Clio commerciale. Donc ça vous fait rire peut-être parce que vous êtes dans ce cas-là, mais on est tous passés par là, je vous rassure. Hein. Accordez-moi quelques secondes, je profite de mon petit café. Donc on te voit venir à des kilomètres, on sent que tu as absolument besoin de la vente, machin. Ça n'est pas attirant. Comme on dit toujours, on nourrit pas un chien qui a l'air affamé. Par contre, si vous voyez un beau labrador tout bien brossé devant votre porte, vous dites « Ah, le pauvre, il s'est perdu ». Mais si vous voyez un chien qui a la peau sur les os, qui a les yeux rouges et qui bave un peu de mi-bave, mi-sang, mi-salive, mi-sang, voilà, vous n'allez pas le nourrir. Donc on ne nourrit jamais un chien affamé. C'est comme en séduction, c'est la même chose. Donc imaginez un business où voilà, c'est à la cool. Ok, comme une réunion Tupperware, sauf que vous êtes sur Internet et que c'est vraiment, vous faites ça en claquette. Enfin, ils viennent dans votre salon, vous n'êtes pas obligé. Bah, vous y mettez les formes, comme au repas de Noël. On s'est vu, l'oncle, on sait qu'il est dégueulasse toute l'année. La tante, on sait qu'elle est à moitié habillée en sarouel toute l'année et qu'elle pue de la gueule. Mais pour Noël, tout le monde fait un petit effort. Non pas qu'on essaie de sauver les apparences, mais pour la forme, pour la beauté du truc. Donc là, c'est pareil. On est des amis, moi, je mets la forme. Hein, je vous respecte quand même, j'ai un minimum de respect et j'essaie de faire les choses bien. Quand je diffuse mon contenu, par exemple, à vous qui... Je suis persuadé, quand je vous rencontre, vous avez l'impression de me connaître parce que j'ai réussi à créer du lien. C'est très important.
Je vais vous expliquer comment créer du lien par des biais psychologiques et je vais vous expliquer les méthodes que j'utilise et qu'on utilise tous, quasiment tous ceux qui arrivent à tout casser sur Internet. C'est des méthodes, vous allez voir que très peu en parlent, mais ce qui est marrant, c'est que les plus gros l'utilisent. Mais en même temps, les personnes qui font le plus d'argent, les industriels, enfin les personnes qui ont des gros business, etc., ils n'ont pas le temps de venir ouvrir une chaîne YouTube. Moi, il se trouve que j'en ai fait un de mes métiers, on va dire, mais tous ceux qui gagnent vraiment du pognon, je peux vous dire qu'ils utilisent ces méthodes-là. On va en parler de toute manière. Donc voilà, imaginez simplement, c'est comme dans un salon. Voilà, vous êtes chez vous, tranquille, vous recevez les potes. Comment vous le faites ça? Je vous pose la question. Comment est-ce que vous allez vous y prendre, hein? Si vous avez envie de me vendre un truc, on est une bande d'amis de 10 personnes, comment est-ce que vous allez faire? Voilà. Vous allez nous recevoir chez vous. Mais est-ce que vous allez le faire avec amour ou non? Eh oui, vous allez le faire avec amour. Vous allez le faire avec amour. Arrêtez de penser que la vente, c'est un genre de mensonge, un genre de mécanisme froid. Arrêtez que la vente, c'est comme aller au pute, quoi. Excusez-moi du terme, mais c'est pas ça. La vente, c'est pas ça. C'est-à-dire que la séduction, qu'est-ce que c'est? On vous dit toujours, oui, la séduction, c'est... Moi, je vous l'ai toujours dit, la vente et la séduction, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a un de mes premiers patrons, quand j'étais jeune, j'ai un de mes premiers patrons qui m'a dit, tu sais pourquoi tu es un excellent vendeur? Parce que je finissais souvent meilleur vendeur. Il me dit, parce que tu es un bon séducteur, tout simplement. Tout simplement parce que la vente, c'est la séduction. Donc, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez séduire? Quand on dit, oui, tu es un bon séducteur, il faut comprendre un truc, et ça, on en parle très peu souvent, c'est que le séducteur en question, il aime séduire. Il fait pas ça que pour obtenir un oui. Il fait ça parce qu'il aime aussi le processus de la séduction. Moi, j'aime la séduction. Je veux dire, j'aime préparer les choses. Et je le fais pas uniquement pour convaincre. Et voilà. Je veux dire, j'aime séduire, j'aime préparer les moments. Plus ça va, plus j'aime préparer les moments. Plus j'ai un délice. Si je dois faire venir 10 personnes, si demain on fait une conférence physique, par exemple, qu'on se réunit dans une salle, etc., vous allez payer pour ce faire, parce que c'est normal, je dois être rémunéré pour mes compétences, mais derrière, je vais encaisser de l'argent, mais derrière, je vais organiser un événement qui va me faire plaisir. Je vais me faire plaisir. Eh ben, c'est pareil. C'est pas parce que vous avez une boutique en ligne, c'est pas parce que vous vendez via une page Instagram ou autre, qu'il ne faut pas y mettre d'amour et de sincérité. Si vous faites ça, encore une fois, aujourd'hui, je trouve que la technologie aide à ça. Aujourd'hui, le gars qui est pas sincère, il est grillé, tout simplement. Vous ne ferez pas long feu et vous encaisserez pas de revenus. Ceux qui encaissent des revenus, c'est ceux qui font les choses avec le cœur, tout simplement. Maintenant, je vais t'expliquer ce qu'il faut faire, concrètement. Je vais te donner quelques ficelles. Tout simplement, on l'a vu, tu dois créer du lien. Voilà, tu dois créer du lien. Il y a plein de leviers psychologiques, il y a plein de leviers, mais tu dois penser à ça, c'est une des premières choses à penser. Tu dois absolument créer du lien, tu ne dois pas parler que de vendre tes produits, tu ne dois pas parler que de ça, tu dois créer du lien. Il y a différentes façons de créer du lien, par l'humour. Je t'expliquerai tout ça dans Free Traffic, c'est ce que j'ai mis dans Free Traffic, c'est d'ailleurs presque le cœur du programme. Il y a beaucoup de choses, donc c'est un programme vidéo étape par étape, je le répète, avec les templates de suivi, etc. On en parlera un petit peu à la fin pour ceux que ça intéresse. Mais en tout cas, globalement, l'objectif doit être de créer du lien. Qu'est-ce que ça veut dire créer du lien? Ça veut dire casser la distance. Ça veut dire, ok, on apprend à se connaître. Moi, vous voyez très bien que mes défauts sont apparents aussi. C'est-à-dire que je prends un risque en voulant créer du lien parce que j'expose mes défauts. Je veux dire, toute la planète e-commerce, toute la planète, business en ligne, connaît mes défauts. Mes défauts, ils sont très faciles à voir. Mais on connaît aussi mes qualités. Mais on connaît aussi Benji. Ok, donc j'ai réussi à créer du lien, mine de rien. Après, vous allez faire des erreurs des fois, peut-être que vous allez aller trop loin, peut-être que vous allez, voilà. Mais en tout cas, globalement, vous allez exposer votre personnalité. Une personnalité, c'est des défauts, c'est du bien, du bon, du mauvais. Mais ce qui est marrant, c'est que tout ça, c'est subjectif, parce que certains vont trouver que j'ai des défauts, puis pour d'autres, ça va être des qualités. Donc en fait, soyez vous-même, parce que vous ne plairez pas à tout le monde, tout simplement. Créez du lien, cassez la distance, et encore plus quand vous vendez en ligne, que les personnes ne vous ont pas en physique, mais putain, il faut absolument briser la distance, sinon vous n'allez arriver à rien du tout. Je veux dire, même Carrefour, c'est des boutiques physiques à la base. Ok, quand ils envoient des bons d'achat, le gars, il sait, il a son petit magasin
dans la zone industrielle, il sait où c'est, il connaît les caissières. C'est comme si c'était la caissière qui est dans sa tête, c'est comme si c'était la caissière ou le directeur du magasin qui lui a envoyé les flyers à distance. Mais vous avez même pas fait de rencontre physique avec les gens, ils vous connaissent pas. Donc il faut absolument, et il y a des méthodes pour ça, pour le faire en ligne, c'est assez spécifique, mais on va utiliser des biais psychologiques pour le faire. Ensuite, il faut être fier de ce que vous faites, ne baissez pas la culotte. Vous m'avez déjà vu baisser la culotte, sincèrement. Soyez fier de ce que vous faites. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une trace d'un message Instagram, d'un mail envoyé par ma personne, parce qu'après mon équipe aussi agit en mail, mais de toute façon mon équipe ils ont des directives, il n'y a pas un message, excusez-moi, hein, où je suis en train de lécher le cul d'un client. Et c'est pas péjoratif, je veux dire, moi j'ai de la reconnaissance envers mes clients, j'ai de la gratitude, j'ai pas cet orgueil de dire non, ben, non, non, je vais me plier en deux pour vous, mais je vais vous donner ce pour quoi vous avez payé, on est d'accord, je suis pas là pour tailler des pipes, je taille pas de pipes, c'est que quelqu'un me trouve un DM où j'ai forcé une vente. J'ai dit à mes équipes elles le savent par mail, vous n'êtes pas là pour vendre, vous ne vendez pas, vous êtes là pour renseigner, ok, vous êtes là pour renseigner. Mon système est tellement bien emmené et tellement gagnant-gagnant pour mes clients, pour moi-même, pour ma société, qu'au final il n'y a pas besoin de vendre. C'est ce que je vais vous expliquer à faire, il n'y a pas besoin de vendre. Okay, je dis à mes équipes, vous n'êtes pas là pour vendre. Si quelqu'un demande, ouais mais du coup ton programme, est-ce qu'il y a un suivi patati patata? Tu réponds simplement à la question. Oui, il y a un suivi. Mais ça ne sert à rien d'aller plus loin. Il y a un suivi, on a donné notre parole. C'est mon visage, les amis, c'est mon visage, mon nom, mon prénom. Vous pensez que je vais m'amuser à mentir? Donc ils ont. Et la personne qui croit que je mens, c'est un client que je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je ne cherche pas à vendre un seul programme. Je cherche à ce que les gens me suivent sur le long terme. Et ça, je l'avais dit depuis le début, encore une fois. C'est pour ça que j'hésite pas à mettre mon nom, prénom. Sur mes chaînes, sur mes trucs, voilà, mon nom, prénom, il tourne de partout. Voilà, vous pouvez aller voir mes anciennes sociétés, patati. Enfin, vous pouvez tout voir de moi, vous connaissez. Après, voilà, mais vous connaissez la tête de mes enfants, etc. Vous savez tout. Voilà, j'ai rien à me reprocher, tout simplement. Donc, soyez fiers de ce que vous faites. Et ensuite, quand vous êtes fiers, quand vous faites un projet qui est... C'est plus facile à défendre. Quand vous faites un projet dont vous êtes fiers, c'est beaucoup plus facile à défendre. Vous marchez la tête haute. Et quand vous avez quelque chose dont vous êtes fiers, tout simplement, il y a des gens qui vont adhérer, il y a des gens qui ne vont pas adhérer. Tout simplement. Voilà, soyez fiers parce qu'au quotidien, ça sera intenable. Sinon, sur le long terme, ce n'est pas possible. Ça sera intenable, voilà, tout simplement. Et ensuite... Pensez long terme. Il faut absolument penser long terme. Il faut absolument arrêter de penser court terme. Vous devez penser sur le long terme. Voilà. Quand vous faites quelque chose, même si aujourd'hui vous avez du mal à gagner du pognon, et il faut que ça aille vite, je peux comprendre. Je peux très bien comprendre ça. Surtout au début, on a la dalle. Mais par contre, du coup, quand vous avez la dalle, faites beaucoup d'actions. Mais ne pêchez jamais. Ne tombez jamais dans ce piège. C'est de vouloir ne pas être sincère avec vos clients. Faites attention parce que des fois vous allez vouloir accélérer le process et vous allez trouver des petits trucs pour les duper. Non, pensez toujours que ça doit rester sur le long terme, ça se construit. Maintenant pour construire tu peux aller plus vite que les autres, ok, c'est comme si par exemple je te dis fais-moi ma maison et je te donne je sais pas, construis ma maison, je te donne 500 000 euros et tu as besoin d'argent, tu vas être pressé de construire cette maison, on est d'accord, c'est-à-dire putain faut vite que j'encaisse les 500 000 euros, les 500K, faut vite que je les encaisse. Mais c'est pas parce que tu as vite envie de les encaisser que tu vas me construire une maison en mousse, tu comprends, parce qu'il y a la tentation, tu dis bah vas-y je lui construis une maison en papier comme ça je vais le faire vite, j'encaisse vite les 500 000, c'est là où elle est l'erreur. Non, tu dois faire une maison en pierre comme les autres, aussi bien fait que les autres, voire mieux fait que les autres puisque tu as besoin d'argent et donc du coup tu as besoin que je te rachète des choses plus tard ou que je te conseille à mes amis riches, que je dise à mes amis qui ont du pognon aussi et qui construisent des baraques, bah tu sais c'est un putain de constructeur, j'ai eu aucun problème, tout était nickel, il a bien drivé le chantier, j'étais pas obligé de mettre les doigts dedans, etc. C'était super, on était en vacances avec Martine pendant ce temps-là, les gosses, on s'occupait des gosses, lui il a tout bien fait, etc. La maison elle est magnifique, il a respecté les délais, il a pas trop débordé sur les délais, il m'a pas pris pour un con, etc., etc. Donc, en fait, ce que tu dois faire, c'est pareil, voilà, construire la maison en pierre comme l'autre l'aurait fait, sauf que tu vas donner plus d'énergie, tu vois. Au lieu de travailler 8 heures par jour, bah, tu vas faire travailler peut-être tes gars plus, et tu vas leur donner en échange, tu vas perdre sur quelque chose. Ou toi-même, si tu devais construire une maison de tes mains, bah, tu vas essayer de faire plus vite, tu vas dormir moins que l'autre. C'est là où tu vas rattraper le retard, mais c'est pas en dupant tes clients, ne l'oublie jamais, sinon ça veut dire que tu penses pas sur le long terme. Donc pour tout ça, ça a l'air un petit peu complexe. Déjà, je veux vraiment que vous compreniez les fondamentaux, vous avez compris ce qu'il faut faire. Maintenant, comment le faire? Je vous garantis qu'il y a des méthodes qui sont très simples. Encore une fois, qui sont très simples et très rapides à appliquer. C'est pas du tout de la poudre aux yeux, c'est pas du tout de la poudre de perlimpinpin. C'est facile à appliquer quand tu as le plan précis, quand tu comprends ce que tu dois faire tout simplement et que tu as juste à y mettre tes efforts. Voilà.
tu as juste à y mettre tes efforts, c'est là où c'est intéressant. Mais il y a des stratégies qui sont pour créer du lien, il y a des biais psychologiques, mais si vous ne le savez pas, ça va être compliqué. Être fier de ce que tu fais, par exemple, pour ne pas baisser la culotte, ben, je vais vous expliquer en gros comment bien choisir votre marché. Okay, et ne pas, je vais vous expliquer de manière concrète ce que vous pouvez choisir. Je vais vous expliquer comment on vérifie s'il y a de l'audience, comment on vérifie s'il y a du pognon à se faire. Hein, on va aller voir, on va aller faire de la recherche de mots-clés, on va faire plein de choses dans Free Traffic. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce programme, c'est pour répondre et pour vous présenter toutes ces stratégies pour apprendre à vendre. Voilà, sans, il y a un truc important, si vous devez prendre du plaisir dans votre business, franchement, si c'est pour être stressé 24 sur 24, je vous le dis, je suis passé par des périodes comme ça, je peux vous dire que le business, ça n'a aucun intérêt. Si le business, vous frôlez la syncope et vous frôlez de tuer quelqu'un parce que vous en pouvez plus, vous êtes à bout de nerfs, qu'on vous prend pour un con, etc., ça sert à rien. Vaut mieux être salarié, s'acheter ses petits apparts et vivre à la cool, lire des bouquins, enfin trouver des passions, voilà. Ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Moi je respecte, hein, j'ai des amis qui sont salariés et ils me disent voilà, moi j'ai pas envie de me casser la tête. Et ils y vont tout petit, et je les respecte parce que les gars savent ce qu'ils veulent. Moi personnellement, j'aurais presque aimé être comme ça, mais en fait je peux pas, c'est pas ma nature, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Mais par contre ça veut pas dire que je juge les gens qui... Il y a des gens, par contre, là où je juge, c'est quand le salarié il fait que se plaindre. Le gars, il n'arrête pas, il mène une vie de misère parce qu'il dit que c'est à cause du salariat. Là, à ce moment-là, je le respecte moins parce que je te dis, à un moment donné, il faut prendre tes couilles. Tu vois, à un moment donné, il faut y aller. À un moment donné, tu détestes ton travail, à un moment donné, il faut agir, tout simplement. Maintenant, le gars qui est bien, qui me dit « non, j'ai pas envie de me prendre le chou », je le comprends tout à fait. Donc voilà, pour les autres, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et comprendre et voir un petit peu comment je m'y prends, parce qu'il y a plein de méthodes, j'ai vraiment plein de choses à vous partager. C'est un programme vidéo étape par étape avec tous les template, il y a énormément de contenu, vous allez vous régaler vraiment, vous pouvez le manger d'un seul coup, le manger sur le long terme. Voilà, les bénéfices de Free Traffic, c'est que derrière vous retrouvez avec un business que vous allez kiffer, parce que c'est très important d'adorer votre business et d'aimer vos clients. Ok, si vous avez des clients que vous supportez plus, je peux vous dire que vous pouvez tomber en dépression à cause de votre business, et c'est pas le but. Voilà, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, voir un petit peu comment ça fonctionne, je vous invite à découvrir le sommaire, vous avez le lien dans la description. N'oubliez pas que le prix va bientôt doubler, donc essayez d'être là à l'heure. Le prix double, en fait, pourquoi? Parce que comme vous avez un suivi personnalisé dans Free Traffic, ce qui se passe, c'est que nous, au bout d'un moment, passer 500 personnes, c'est beaucoup, ça nous coûte beaucoup plus d'argent d'aider nos élèves, et on le fait sincèrement, on le fait vraiment. Donc je dois payer des gens qui sont compétents, en plus je peux pas payer des gars qui n'ont pas de compétences pour vous aider, donc derrière moi ça me coûte cher. Donc si on dépasse les 500 élèves, je suis obligé d'augmenter le prix pour du coup conserver mes marges, que vous comprenez, ce qui est bien normal, tout simplement. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à le rejoindre rapidement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain enregistrement. C'était Benji depuis la boîte noire. Allez, ciao, ciao.